Pour ce matin, je vais vous lire une page dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 11. « Lance ton pain à la face des eaux, car dans la multitude des jours, tu le trouveras. Donne une part à sept et aussi à huit, car tu ne sais pas quel malheur sera sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au sud ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sème pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonne pas. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre que Dieu fait ensemble. Dès le matin, sème ton grain et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas si ceci ou cela réussira, ou si l'un et l'autre sont également bons. Et la lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Mais si un être humain vit de nombreuses années, eh bien qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il se souvienne aussi des jours des ténèbres qui sont nombreux. Tout ce qui arrive est comme une buée. » Ensuite, je voudrais vous lire dans le livre de la Genèse les premières lignes. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la face de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit donc cette étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de ceux qui sont celles qui sont au-dessus, et il en fut ainsi. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour laisser le temps à ces paroles anciennes, de prendre un peu de maturation à l'intérieur de nos cœurs, je vous propose de chanter dans le recueil Louange et prière le cantique 172 « Célébrons l'Éternel », les trois premières strophes de ce cantique 172.
Seigneur mon Dieu, toi qui es la lumière des aveugles et la force des faibles, toi qui es aussi la lumière des voyants et la force des forts, sois attentif à ma prière, car sinon, où puis-je aller et à qui m'adresser? Ô mon Dieu, je suis comme une plante qui a besoin que tu l'arroses en la favorisant de ta bénédiction. Seigneur, par ton amour, fais que je puisse découvrir les merveilles de ta parole, parole que tu places au plus profond de moi. L'Ecclésiaste nous encourage à agir. Lance ton pain à la face des eaux, dès le matin sème ton grain, et puis le soir essaye encore autre chose. Pourtant, il reconnaît qu'il y a bien des raisons de ne rien entreprendre. Il y a l'incertitude, nous dit-il. Tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur terre, et il y a donc la tentation de rester pétrifié par la peur et de ne plus rien tenter. Avoir peur du vent et se dire que peut-être c'est risqué d'aller semer. Avoir peur de la pluie et se dire que ce n'est pas bien le temps de moissonner. Et l'Ecclésiaste nous apprend à identifier et puis à dépasser cette peur. Il nous montre qu'il y a aussi le désespoir face à la lourdeur du monde et de nos limites. Si un arbre est tombé au sud ou au nord, il restera à la place où il est tombé. Et puis ce n'est pas nous, avec nos petites mains, qui nous permettrons de le déplacer, ni même, encore moins peut-être, de le replanter pour que l'année prochaine, il y ait des fruits qui poussent. L'Ecclésiaste nous aide à découvrir que nous avons une force que nous ne soupçonnons pas. Et puis il y a enfin notre égoïsme. J'ai mon pain et je compte bien le garder pour moi parce que j'en ai besoin pour vivre, et c'est vrai. L'Ecclésiaste nous aide à dépasser cette peur de manquer. Lance ton pain et tu le trouveras. Nous avons donc là trois vraies bonnes raisons de ne rien faire. Mais vu sous un autre angle, il y a là autant de bonnes raisons d'agir. Et nous dit l'Ecclésiaste dans son témoignage, c'est ce changement de regard que nous pouvons avoir grâce à Dieu. Lance ton pain à la face des eaux, car dans la multitude des jours, tu le trouveras. Alors comment lire cet aphorisme? Certains y voient un appel à la générosité. En partageant avec un pauvre aujourd'hui, peut-être que demain cette personne sera devenue riche et elle se souviendra d'une bouchée de pain que je lui ai donnée peut-être 30 ans avant et me sauvera d'une situation désespérée. Alors c'est possible, mais quand même il n'y a pas beaucoup de chance. Et de toute façon, ce ne serait pas joli joli d'agir selon ce calcul, car le pauvre alors n'est pas respecté.
Et c'est encore s'aimer soi-même, finalement, que d'agir selon cette logique. Alors d'autres voient dans ce texte un appel à la générosité, oui, mais avec un bénéfice plus large. En donnant de mon pain aujourd'hui à un affamé, je fais un peu de bien à l'humanité, et l'humanité se portant mieux dans son ensemble, eh bien nous en bénéficierons tous. Alors c'est déjà plus vraisemblable. Et au moins cette philosophie s'intéresse à la personne que l'on aide comme étant un digne représentant de l'humanité. Mais cela ne correspond pas exactement à ce que dit le texte en fait. Car il n'y a pas écrit de donner aux pauvres, mais de jeter à la surface de l'eau. Il faut donc chercher plus loin plus loin que ce sage petit conseil moral, très juste et très utile au demeurant. Oui, c'est bon de donner aux pauvres qui a faim. Ça améliore l'humanité. Alors il est possible de voir ce conseil comme signifiant de donner notre pain matériel pour trouver le pain spirituel, pour le recevoir, le pain spirituel, et donc de nous libérer d'un trop grand attachement aux choses de ce monde, à la vie matérielle, pour privilégier les réalités supérieures. Le don est alors un utile exercice spirituel. Le bénéfice, pour nous, il est dans le fait, finalement, d'avoir remporté une victoire intérieure, mettant en ordre notre propre façon d'être, nos priorités. Et cela, oui, ça ressemble à ce qu'on peut trouver dans l'Évangile du Christ, avec le célèbre « L'homme ne vivra pas de pain seulement » que Jésus reprend d'Ésaïe, où sont cherchés d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Donc oui, le bénéfice est immense qualitativement, permettant de dépasser les trois raisons finalement de se décourager que l'Ecclésiaste cite dans son texte. Cela nous libère d'une conception de l'humain qui nous paralyse et qui nous tue. En effet, nous habituer à penser notre grandeur en termes matérialistes, eh bien c'est terriblement désespérant d'abord, puisque nous savons bien que nous finirons tous par partir de ce monde sans rien du tout. Et puis c'est effrayant cette façon de penser matérialiste, car comme le dit l'Ecclésiaste, qui sait quelle catastrophe peut arriver demain ? Peut-être que nous serons en exil, comme c'est des chrétiens d'Orient pour qui, hier, tout allait bien, dans une maison confortable avec une piscine, et qui sont aujourd'hui dans un bateau en caoutchouc, avançant difficilement vers l'inconnu. Alors ça peut être aussi paralysant de penser notre valeur d'une façon matérialiste, car cela nous empêche de prendre le moindre risque, finalement, comme le dit l'Ecclésiaste, et donc de ne rien faire de nos moyens, ni semer, ni moissonner, pour le principe de précaution. Et puis cela nous fait passer à côté de ces vraies grandeurs que sont les qualités de cœur, d'intelligence, de foi, de gratuité. Alors s'ils avaient vécu comme ça, d'une manière matérialiste, Moïse ne se serait pas levé pour sauver son peuple des griffes du Pharaon, il ne se serait pas avancé pour traverser la mer Rouge entre deux murailles d'eau. David ne se serait pas levé contre Goliath, Jésus serait resté dans l'atelier de Joseph et Paul n'aurait pas fait demi-tour sur le chemin de Damas. Alors s'ils se sont lancés, c'est qu'ils mettaient leur assurance ailleurs, en Dieu. Et cela leur a inspiré une certaine façon de comprendre la vie finalement. Alors ça ne veut pas dire que cela leur a apporté la prospérité, comme le prétendent certaines églises évangéliques, exploitant leurs fidèles en leur disant que Dieu donne la prospérité à ceux qui sont généreux. Bon, d'abord pour l'Église, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ou alors qui prie assez fort. Il n'est pas question de ça dans la Bible. La foi ne porte pas chance. Dans un tremblement de terre meurent côte à côte les justes et les injustes, les croyants et les athées. Et parmi les héros bibliques, il y a des Abraham, Jacob ou David qui se portent très bien financièrement, merci pour eux. Et puis il y a des Moïse, des Jésus, des Paul qui perdent tout et qui même sont malades dans leur corps. Mais ce pain qu'ils reçoivent dans la multitude des jours de leur vie quotidienne, c'est d'avoir quelque chose de plus profond qui rend la vie belle, même quand il y a des difficultés, qui rend la vie belle et qui la rend source de vie, largement, et puis qui rend le bonheur possible, oui, tous les jours, même les plus terribles,
et puis qui permet de se relever quand ça ne va pas, et puis de relever d'autres autour de nous. Et donc oui, nous pouvons lancer notre pain comme un exercice spirituel utile, bien utile. Sur ce plan, finalement, le bénéfice serait le même si nous jetions dans la Seine notre pain ou bien nos bijoux. Alors bien sûr, ce serait un peu idiot, il ne peut en être question dans la perspective chrétienne, car si l'homme ne vit pas de pain seulement, il vit de pain aussi. Et il existe des pauvres qui ne mangent pas assez, donc il convient d'adopter finalement un double éclairage pour notre vie, comme le suggère l'Ecclésiaste. La lumière est douce et il est bon pour les yeux de voir le soleil. Il y a deux sortes de lumière finalement, deux éclairages. La première lumière, c'est la lumière spirituelle, celle de la foi, de l'espérance, de l'amour, de la gratuité. Celle, oui, des valeurs spirituelles. Cette lumière que Dieu crée quand il dit avant toute chose que la lumière soit, avant même qu'il y ait la lumière du soleil. Oui, cette lumière que nous recevons par la foi et qui éclaire nos pas. La seconde lumière qui est bonne aussi, c'est celle de ce monde. Celle de l'expérience des générations précédentes, comme ces pages des Écritures que nous lisons et qui viennent des générations passées, de la nuit des temps. Cette expérience aussi qui est recueillie, qui est traitée, qui est questionnée, qui est enrichie à chaque génération. Oui, cette lumière du soleil, c'est celle de notre propre intelligence, dans notre corps, dans nos neurones, dans nos mains. Celle de la science, de la philosophie et des arts. Et il faut ces deux lumières finalement pour à la fois jeter notre pain, pour nous détacher des choses de ce monde, pour le spirituel, mais sans les gaspiller finalement, les convertir à la fois en ouverture à Dieu, par la gratuité de notre don, mais aussi à construire ainsi quelque chose de bon avec nos moyens dont nous disposons. Ce n'est donc pas vraiment un détachement du monde qui est proposé, mais un attachement différent, un attachement à la source du monde et de la vie. Ce n'est pas non plus un détachement de soi-même, mais un attachement à plus que soi-même, un attachement plus large, plus profond et plus élevé. Et puis ce n'est pas vraiment ne plus avoir peur, ce serait de l'inconscience. Mais que ce ne soit pas la peur qui règne sur nous, mais un souffle de cheminement et de vie qui est mystérieux, mais qui va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alors oui, je pense que c'est là peut-être une des leçons de ce texte de l'Ecclésiaste. Mais il y a manifestement quelque chose de plus original, de plus fin dans ce texte, car cette lecture n'explique pas tous les mots du texte. Mais encore une fois, pour saisir ce qui est marqué, il faut connaître un petit peu les grands textes de la Bible qui sont évoqués ici, qui sont convoqués. « Lance ton pain à la face des eaux ». Alors cette expression « à la face des eaux », c'est une des plus célèbres de la Bible puisqu'elle fait partie des premières lignes des Écritures. Je vous les ai relues tout à l'heure et nous les connaissons presque par cœur. C'est donc pas bien difficile d'y reconnaître là une citation, oui, de la création, de la genèse du monde. Les eaux sont ici un symbole du chaos de l'univers. Dieu commençant à créer le monde en lançant son esprit à la face du chaos. Ce que nous dit l'Ecclésiaste, ce qu'il nous conseille, c'est d'être ainsi à l'image de Dieu créant le monde, créant un monde neuf, beau, vivable et bon. Rien de moins qu'à être à l'image de Dieu. Et selon lui, c'est possible, puisqu'il nous le conseille de le faire. Ça semble tout simple, il suffit de se lancer. Et puis cette citation nous dit quel type d'action nous pouvons avoir face au chaos. Chaos à l'intérieur de nous-mêmes, chaos dans le monde. Parce que parfois la Bible nous présente Dieu créant avec ses mains comme un potier qui met en forme l'argile. Il y a une violence dans ce geste du potier, finalement, car l'argile n'a pas les moyens de résister. Par contre, dans le texte cité ici par l'Ecclésiaste, Dieu crée, mais tout en douceur, par son souffle, et puis par sa parole. On peut résister, finalement, à une parole. On peut ne pas l'accepter, on peut dialoguer face à face. Et c'est comme ça que Dieu agit, finalement, nous disent ces textes, et nous sommes appelés à être à son image. Comme Dieu, nous sommes face au chaos du monde, face à cette incertitude qui fait que nous ne savons pas ce qui peut nous arriver demain,
La première réaction, c'est d'être paralysé de peur et de ne rien faire. Mais on peut trouver mieux, nous dit l'Ecclésiaste. La seconde solution, c'est d'utiliser sa tête et son travail. Multiplier les tentatives pour bien faire, semer de différentes façons, observer à différents endroits, à différents moments, et statistiquement, ça finira bien par produire quelque chose, nous dit l'Ecclésiaste. Comme on dit, quand on essaye quelque chose d'incertain, il y a des fois où ça marche, et puis il y a des fois où on apprend. Mais le conseil de l'Ecclésiaste, finalement, lance ton pain à la face des eaux, ça promet un succès qui est plus que statistique. Un succès certain, malgré l'incertitude. Ton pain, dans la multitude des jours, tu le trouveras. Alors c'est aussi certain que quand un nuage est plein d'eau, nous dit l'Ecclésiaste, on ne sait pas exactement quand et où ça va crever, mais il finira bien par se vider de son eau et féconder la terre. Lance ton pain à la face des eaux et dans la multitude des jours, tu le trouveras. Et donc face à l'incertitude et malgré nos forces limitées, lancer son pain. Qu'est-ce à dire? Alors c'est évidemment pas à prendre au sens premier car... Jeter un bout de pain au canard n'est pas un rite magique qui permet de faire reculer le chaos du monde, ni d'avancer nous-mêmes, bien sûr. Mais le sens figuré du pain est très classique dans la Bible, et donc ça va être assez facile, finalement, de chercher ce que veut nous dire l'Ecclésiaste à travers cette image. Car le pain étant l'aliment de base par excellence, il est une image de ce qui est source de vie. On a ainsi dans la Bible la parole de Dieu qui est comparée à du pain. La Bible est comparée à du pain. Le Christ est appelé pain de vie dans l'Évangile selon Jean. Mais le pain, c'est aussi une image de notre vie éternelle qui, elle aussi, est source de vie pour nous, mais aussi autour de nous. Et en fait, on le voit dans la Bible, tout le processus de fabrication du pain, ça évoque le parcours de notre existence avec Dieu et grâce à lui. Le grain semé qui germe, qui est si fréquent dans la Bible, qui germe, qui grandit et qui donne un épi, ça évoque notre évolution dans toutes nos dimensions, nos bonnes dimensions, physiques, psychiques, artistiques, spirituelles, notre personnalité, nos idées. Et cette croissance, cette semaille et cette croissance, c'est dans une collaboration de l'humanité, de nous-mêmes et de Dieu qui envoie sa bénédiction comme une pluie, comme une rosée, puis le soleil, la lumière. Alors ensuite vient la moisson, et puis le vannage qui sépare la paille du bon grain, la paille qui est immangeable, et puis ce grain que l'on fait ensuite passer dans la meule pour faire de la farine. Alors cette étape finalement de la moisson, du vannage et de la meule, ça évoque dans la Bible le jugement de Dieu, et ça parle d'un jugement de Dieu qui en fait garde le meilleur de chacun, qui n'en perd pas même une poussière de farine. Et donc ce jugement évoqué ici dans la Bible, eh bien c'est une bienveillance, c'est l'amour de Dieu bien entendu, et un amour, une bienveillance que nous pouvons avoir aussi vis-à-vis de nous-mêmes, du monde et des autres. Puis vient ensuite dans la fabrication du pain, la fermentation et avec l'eau et le levain, et cela aussi Jésus l'évoque par exemple dans ses paraboles. Et avec la cuisson, cela donne enfin le pain de vie. Cette étape, donc, est quelque chose de vraiment spécial et qui ne peut venir que de Dieu seul et de son souffle, de son esprit, qui transforme le meilleur de ce que nous sommes aujourd'hui en un enfant de Dieu, en un enfant vivant de la vie éternelle. Et donc, toutes ces étapes, nous les retrouvons ici dans le texte, peu à peu, les semailles, la pluie, le soleil qui font pousser, la moisson et puis l'Esprit de Dieu qui est donné comme un chemin de vent, un chemin mystérieux qui donne la vie dans le ventre de la femme enceinte. Oui, ton pain. Ton pain, c'est ainsi l'enfant de Dieu qui est en toi, qui est en chacun. C'est notre bon génie propre qui est éveillé par Dieu et à qui il a donné des pouvoirs divins de donner la vie. C'est quelque chose de vivant et de libre et de pur qui existe au fond de nous et qui peut donner la vie dans toutes ses belles dimensions. Que veut dire alors lancer son pain à la face des eaux? Eh bien, cela veut dire lancer le meilleur de nous-mêmes, cette part divine et créatrice qui nous vient de Dieu, oui, et même plus que cela, finalement. Lancer notre vie éternelle, finalement, car c'est cela qui est vraiment créateur.
Oui, lance ton pain à la face des eaux, donne une part à 7 et aussi à 8, nous dit l'Ecclésiaste. Dans la multitude des jours, le 7e et le 8e jour, ça évoque quelque chose. Bon, j'ai pas eu le temps de vous lire toute la première page de la Genèse, mais vous les connaissez par cœur. Dieu crée le monde matériel en 6 jours et il donne sa bénédiction à l'aube du 7e jour. Et puis le 8e jour, c'est le jour d'après. C'est l'aube d'une nouvelle étape dans la création inaugurée en Christ. On appelle ça la résurrection, celle de la vie qui dure pour toujours, de la vie éternelle. Et donc l'Ecclésiaste nous encourage à lancer notre pain à la face du chaos du monde, dans la multitude des jours, sans oublier le 7 et le 8e jour, car tu ne sais pas quel malheur sera sur la terre. Oui, donc travailler avec toute notre créativité divine, avec toute notre foi, travailler pour rendre ce monde plus vivable et plus juste selon les 6 premiers jours de la création. Alors oui, il y a une gestion du matériel. Et puis mettre aussi une bonne part de créativité, d'inventivité, d'implication de notre temps aussi, de impliquer notre meilleur de nous-mêmes sur ce qui est de l'ordre de la bénédiction et de la vie éternelle. Car c'est cela qui tient tout ensemble et qui promet le pain de demain. Oui, notre Père, donne-nous notre pain. Amen.